plus de 300 personnes rassemblées ce dimanche matin sur la plage des Raisins Clairs. Ils s'opposent au projet d'aménagement du littoral de la mairie de Saint-François. Bientôt, un ensemble de magasins et d'équipements sanitaires occuperont cet espace. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille. Ma première réaction a été l'étonnement et qui a fait place très très vite à la colère. Un centre commercial de plus à Saint-François et en plus sur une plage, non, vraiment non. Et nous venons d'apprendre donc cette semaine, en cette fin de semaine, qu'il y a eu donc de la part de l'ONF de trouver donc carrément un cimetière d'esclaves. Donc je dis non, respect donc pour nos morts et respect ensuite pour les citoyens de la commune de Saint-François. Présence d'ossements d'esclaves sur le site, impact environnemental ou marchandisation de l'espace public. Les opposants au projet multiplient leurs arguments et s'organisent. Une pétition a déjà recueilli plus de 4000 signatures. Et la minorité municipale compte sur cette mobilisation. Cette mobilisation ne fait que s'amplifier, car les gens n'étaient pas encore au courant, les gens étaient choqués. Tous les gens qui passent disent « Mais pourquoi il y a des barrières? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc maintenant que la population est au courant, de jour en jour, on a de plus en plus de monde qui rallie le mouvement et on va faire monter à tous les niveaux notre demande de rejet de ce projet. Et nous y arriverons. Pour la mairie, l'opposition serait d'abord politique. Et l'aménagement du littoral, une nécessité. Il n'y a pas sujet à polémique, c'est juste apporter un plus, c'est-à-dire que mettre les gens dans des locaux convenables où il y aura l'eau, l'électricité, il y aura des toilettes, les douches qui sont sur la plage vont être aussi réintégrées dedans, avec, je dirais, un poste de police avancé qui va aussi avoir un œil sur ce qui se passe. Donc c'est un projet vraiment intégré et qui répond aussi, à l'esprit de l'espace. À un an des élections municipales, la plage des Raisins Clairs semble sonner comme le premier round de la campagne. Vous regardez ETV.